Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Un nouveau lieu de spectacle, donc à Paris, c'est La Scala, avec un spectacle du même nom, Scala, qui a été créé justement cette semaine. Oui, titre de ce spectacle inaugural entre cirque, acrobatie, danse, signé Johan Bourgeois, on y revient dans un instant. Mais d'abord, retour sur l'histoire vraiment pas banale de cette salle située au 13 boulevard de Strasbourg à Paris, en plein cœur de Paris. D'abord, en 1873 précisément, c'est une salle à l'italienne. En fait, c'est le rêve d'une riche veuve fan de La Scala. 2000 ans, et puis ensuite, ça va devenir une immense salle de cinéma, notamment la salle des avant-premières de la Nouvelle Vague dans les années 1960. Et puis, autre temps, autre cinéma, années 70, ça devient le premier multiplex de France, mais multiplex de cinéma pornographique. Et puis enfin, après fin des années 90, une église baptiste classée secte veut en faire son siège. Finalement, La Scala est classée lieu de culture et rachetée par un riche couple, Mélanie et Frédéric Biessy. Elle dirige un fonds d'investissement, lui est producteur de spectacles. Ils en rêvaient. La Scala est née en un temps record. Je vous propose de la découvrir. Dans le paradis terrestre. Elle fut l'un des plus grands musicals de Paris, puis d'un cinéma ultra-moderne pour l'époque, avant de finir en multiplex porno et d'échapper même aux mains d'une secte qui voulait en faire son siège. À chaque fois, La Scala est renée de ses cendres. La voici flambant neuve. Du lieu d'origine, il ne reste que l'esprit, une ouverture sur la ville, une conception dernier cri et le désir de ses riches propriétaires d'en faire un vaste terrain de jeu pour les artistes. La Scala, en réalité, c'est la rencontre avec le lieu qui a été très importante parce que on est quand même tombé amoureux, Mélanie et moi, de ce lieu. On l'a montré à des plasticiens, des artistes de théâtre, de cirque, de danse, de nouveaux cirques, de musique contemporaine. Et tous sont revenus avec des projets parce qu'on leur avait dit que c'était possible de faire ce qu'on y voulait. Nouveau cirque avec Johan Bourgeois et son spectacle d'ouverture, mais aussi théâtre, danse, musique contemporaine et art plastique. La nouvelle Scala, située au cœur de Paris, sur les grands boulevards, a l'ambition d'accueillir tous les artistes sur cette scène entièrement modulable dont la scénographie a été confiée à Richard Peduzzi, fidèle collaborateur des metteurs en scène Patrice Chéreau et Luc Bondy. J'ai pas voulu penser aux salles de théâtre. J'ai préféré penser aux scènes de théâtre, si vous voulez, à la cage de scène, donc. Et la cage de scène, pour moi, c'est la porte de sortie, c'est l'évasion, quoi. C'est le rêve, c'est les nuages, c'est le ciel. Et c'est pour ça que j'ai pensé au bleu. Et on a fait un bleu spécial, quoi. Celui-là, qui s'appelle le bleu Scala. Avec 19 millions d'euros d'investissement, cette nouvelle salle privée entend séduire les spectateurs avec certains des artistes les plus courus du moment, comme l'acteur et metteur en scène Thomas Joly. Y a-t-il vraiment un public pour une nouvelle scène à Paris? Oui, assure La Scala, qui voit l'avenir en bleu et ne craint pas la chute. Donc un spectacle de nouveau cirque signé Johan Bourgeois. Oui, est-il chorégraphe, est-il artiste de cirque, metteur en scène, peu importe, poète assurément. À chaque spectacle, il nous plonge dans cet univers fait d'équilibre, d'apesanteur. Je vous propose de découvrir un peu plus ce spectacle. Scala, à la Scala. En visitant La Scala, je me suis dit, tiens, et si vraiment je partais de ce que m'inspire le lieu pour créer un spectacle. C'est pas seulement un outil, c'est presque une œuvre d'art, ce bleu de Richard, qui est un bleu, je trouve, qui inspire énormément de rêves, en fait. C'est rentrer dans cette salle, c'est créer les conditions pour qu'il y ait beaucoup d'onirisme, j'ai l'impression, beaucoup de possibles. Scala va présenter la trajectoire d'un homme qui évolue dans un espace en trois dimensions. C'est à la fois quelque chose de très concret, un décor de théâtre, quelque chose de figuratif, une maison, et quelque chose de plus abyssal, qui serait quelque chose vraiment de mental, un paysage cérébral. «
Merci Jean-Baptiste.